Je fais sur toi. Lâche-la. Oui, lâche-la. Lâche-la. Oui, Jésus te délivre. 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 La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus te délivre. Maintenant même, reçois ta délivrance. Je libère tes nerfs. Je libère ta chair. Je libère au nom de Jésus toute ta vie. Maintenant même. Maintenant même. La puissance de Jésus te libère. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Tu la libères. Vous la libérez maintenant. Tu m'entends? La chair. Va. Va-t'en. Va-t'en. Et lâche-la. 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 Lâche ta vie. Oui, va-t'en. Au nom de Jésus. 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 La chair est en train de venir, monsieur. Je suis en train de montrer ce qui se passe. Tu vois, maintenant c'est au niveau de sa tête. La chose se passe maintenant au niveau de sa tête. Tu es en train de tout remettre en place. La puissance de Jésus. Remettez son cerveau en place. Remettez tout en place. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus. Te libère. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. La puissance de Jésus te guérit. Sa puissance te guérit. Ta puissance te guérit. Sa puissance te libère. Reçois ton miracle. Oui, reçois ton miracle. Oui, reçois ton miracle. Oui, reçois ton miracle. Je te communique le miracle de Dieu. Oui. Oui. Ton miracle. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Il ne mourra plus, c'est fini. La mort n'aura plus raison sur toi. Désormais, c'est la vie. Amen. Amen. Tu vas commencer à reprendre ta forme. Et tu reviendras ainsi rendre témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Que Satan vient d'être humilié. Satan vient d'être humilié. Je demande à ton père, je sentais qu'il y avait une urgence. Je demande à ton père de ramener rapidement, t'envoyer ici. Parce que tu as convaincu que tu voulais faire un miracle dans ta vie. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le miracle? Qu'est-ce qui est bon, j'ai déjà regardé. Non, mais pourquoi je fais ça là? Si il dit à côté, il veut sortir, il veut le tuer. Parce que quand nous mauvais, il veut garder avec lui. Quand il est voleur, l'argent, il donne l'argent à voler. Ah, d'accord. Il dit, regardez ça. Quand tu as l'argent, vous donnez à voler, comme ça, il ne va pas voler. Maintenant, il a peur de lui. Là. Tu casses tes yeux, tout. Tes bras, tout. Pour pas laisser moitié. Moitié, non? Oui, ils ont yé la même. J'ai décassé. Casser les yeux. Pour ça, il va voir qu'il n'y a rien même pour lui. Pardon. Décasser les ailes aussi. Vraiment, si, j'ai fatigué comme ça. Si. J'ai 7 filles, j'ai 11 garçons, j'ai 18 gosses. Ils fatiguent mes enfants comme ça. Non. Monsieur. Envoyez le soleil. Il n'y a pas Nagui.
Agiyo ya nazayi biapa. Atolago ayana sayo. Biapa nazayo. Agiyo ya nazayo. Yeah.
Les ailes sont cassées. Cassez tout. C'est cassé. Cassez les yeux. Merci. Cassez les yeux. Cassez tout. J'ai dit ça, hein. C'est pas là où il faut venir, vous allez juger. Il est quand il est venu juger, vous pouvez tomber sur moi, c'est pas vrai. Je ne viens pas, mais je l'ai vous dit. Maintenant, ouais. Dieu a fait pour ton palabre. C'est ça. Voilà, Dieu a fait son palabre, j'ai tout cassé. Merci. Lui qui est là, là, ouais. Je te dis comment tu vas utiliser. Voilà. Tout va se régler. Si tu vas à la maison, ouais. Pour percer dans la maison. Puis là, le reste. Le reste. Oui, oui, ça même. Vous allez goûter. Oui, il y a une chaîne. Là où j'habite toi. Voilà. La dernière bouteille qui reste, ouais. Faut mettre ça dans la maison. Il a envoyé quatre. Comment ça s'appelle? Car, quoi, la caméra. Comme nous dans, c'est comme le déroi. Il voit nous ton texte. Il a fait ça. Maintenant, j'ai appelé passer. Ils sont venus régler le problème là. C'est pas si les casés ou c'est pas casé, mais ils sont casés. Ils disent bon, Dieu merci. Mais lui là. Non, mais c'est ce qu'il m'a donné. Mais oui, c'est vrai. Tu vois, non? C'est pas elle qui allait acheter. Il lui a donné ça. Tu comprends? Donc, il ne faut pas trop l'en vouloir. C'est vrai qu'elle a fait des choses. Ouais. Mais il ne faut pas trop l'en vouloir. D'accord. Comment tu sais que c'est grand-mère là qui a donné? C'est pas elle. C'est lui qui a tué sa maman. Oui, je sais. Je sais. Maintenant, ce que nous devons regarder, c'est la délivrance de l'enfant. Elle a aussi droit à la vie. C'est vrai même si elle a tué. Ouais. Il faut donner la possibilité. Nous, en tant que chrétiens, il faut donner la possibilité de connaître aussi Dieu. Oui. Alors, si elle connaît Dieu, elle va vivre pleinement sa vie. C'est ça. Elle ne pourra pas vous attaquer. Désormais, ouais. C'est Dieu qui va prendre le contrôle. Celui qui va te toucher, ouais. Dieu va le frapper. Merci. Voilà. Maintenant, il a quand j'arrive, il va mettre tout partout, dans la partout tu veux dans la maison. Il va laisser un peu. C'est moi quand il va sortir. Oui. Je mets dans mon tête. Il salue moi, il va. Yeah, 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 yeah. Madame, venez. Madame, venez. Madame. Madame, madame. Non, c'est là. Venez. Venez, venez. Ça va? Tu veux que tu délivres? Tu veux délivrer? Tu veux délivrer de quoi? Je suis prophète. Tu veux délivrer? Oui. De quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Comment maman a dit que c'est un enfant et elle était Dieu à la maison. Quelle maman? Hein? Elle. Elle. Quelle est ça quoi? Quelle était la cité en Dieu à la maison? Il y a une qui est partie. Non, qu'est-ce que tu as fait? Il ne faut pas rentrer trop dans les détails. Ce que tu as fait là, dis. Le vieux, ses yeux sont cassés. Oui, allons-y. Qu'est-ce que tu as fait là, dame? Vous avez tué son enfant. Vous avez fait un enfant sans quelle année? C'est cette année? Dans quel mois? D'abord et moi. Donc vous avez tué l'enfant. Oui. Comment s'est passée l'histoire? Elle est envoyée. Elle est en train de prendre l'enfant. Elle est partie chercher. Le bébé? Oui. Vous avez mangé le bébé? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait si ça veut? Qu'est-ce que tu as mis dans son ventre? Cafard. Tu as mis Cafard dans son ventre? Comment tu as arrangé à mettre Cafard dans son ventre?
Quand vous avez enlevé le bébé, vous avez, tu as mis le cafard. Oui. Comment tu as fait? Quand vous avez fini de manger le bébé, vous pas dit enlever, vous avez mangé le bébé. Oui. C'est ça? Oui. Tu avais envie de manger la viande. Quand tu as mangé le bébé et tu as mis le cafard dans le ventre de la maman, peut-être pourquoi? Non, laisse affaire, laisse la vieille qui dit là. Tu as mis ou tu n'as pas mis? Donc parlons de pour toi. Laisse affaire, la vieille m'a dit de mettre. Donc tu as mis le cafard dans le ventre de ta maman. Mm-hmm. Comment tu t'arranges à mettre le cafard? Tu as fait comment? Quand le bébé elle a accouché, mm-hmm. c'est là où vous avez mis le cafard. Oui. Et le cafard, est-ce qu'elle peut faire quoi? Hein? Pour plus avoir fait enfant. Donc le cafard est là, pour ne plus qu'elle fait enfant. Tu as fait quoi encore? Qu'est-ce que tu as gâté? Je t'écoute, hein? Une formation. Et puis sur la chute, après, on peut. Quoi? Quand la chute, gaz est sur le plan. C'est toi qui as incendié le gaz. Mm-hmm. Le gaz est une fois brûlé. Non, c'est pas brûlé, mais. Ça c'est le lait là qui sortait dedans. Le lait, mm-hmm. elle voulait incendier la chose. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Un problème au marché. Un problème au marché. Vous demandez au marché? Oui, au marché. Vous demandez quoi au marché? À ce que tu penses, il y a pas des jeux aussi. Donc c'est toi qui as voulu détruire tout ça. C'est toi qui as fait ça? Hein? Non, pas depuis toi. Laisse affaire de ta soeur. C'est toi qui as fait maintenant des aveux. C'est toi qui as fait? Oui. Tu as fait quoi encore? Qu'est-ce que tu as fait? Quand elle dépose son argent, il prend. Quand elle dépose son argent, tu prends? Oui. T'envoies ça où? Hein? À son sorcellerie. Physiquement, elle vole, non? En réalité, elle vole. Oui, elle donc, tu as gâté son argent. C'est ça? Quand sorcier prend l'argent, c'est pour gâter. C'est pas pour lui payer du sable. Tu as gâté son argent. Ils sont bien de demander, tu vas du sable. Si c'est toi, tu cherches à payer du sable. C'est son argent que tu as gâté. C'est ça? Mmh. Tu as gâté quoi encore? Mmh. Hein? Mmh. Vous êtes combien dans votre groupe? Il y a ma soeur, sa grand-mère, mm-hmm. et puis ma grand-mère, sa frère. Mm-hmm. Elle vous a fait quoi? Oui. Elle vous a fait quoi? Oui. Et puis tu gardes sa vie, pourquoi? Tu as décidé de la tuer, c'est ça? Tu l'as programmé, non? C'est ça? Pourquoi t'as pas peur? Elle devait mourir quand? Je suis en train de demander, hey, je suis en train de demander, elle doit mourir quand? En août. C'est qui ça? Elle est en train de filmer. Elle doit mourir quand? Oui. Vous venez la manger. Hmm? Oui. Tu as tout gâté, c'est ça? Oui. Tu as tout gâté dans sa vie. Vous allez la programmer le chef pour. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il va me délivrer. Je veux qu'il va me délivrer. Tu veux que quoi? Je veux me délivrer. Je veux me délivrer. C'est tout. Et elle? Pourquoi tu commences par toi? Vous voyez un peu la sorcellerie. Elle veut pour elle d'abord avant de passer. Tu dois commencer par la victime d'abord pour dire délivrer là et après ça délivrer moi. Tout ce que tu as gâté, tu ne peux pas arranger. Ça va, ça? Oui. Hmm? Tu veux qu'elle soit délivrée? Oui. Elle va passer quelques jours encore avec nous. Hmm? Il y a beaucoup de boulot à faire dans sa vie. D'accord? Elle a encore une semaine, ça dit que le dimanche prochain dans la vidéo. Ok? Monsieur, venez! Monsieur! Venez! Oui, venez. Allez-y, vous asseoir.
Venez. Ça va? On a commencé un peu matin là. On a commencé matin. Vous avez tué combien de personnes vous? Tout ce que tu as tué là. Matin, t'as dit quoi? Hein? J'ai fait exprès. Hein? Tu dis, moi, il revient toujours sur les choses. Tu m'as dit ça, matin. Il dit, toi-même, là, toujours tu reviens sur la même chose. Pour voir si tu es sérieux. C'est comme ça, c'est à partir de sérieux, là, qu'on bénit dans un pays. Or, vous, les sorciers, vous aimez bon jouer, les gens. Tu as dit, matin, tu as dit ça. Tu as tué combien de tout? Jusqu'à 43. 43. Tu as tué combien? Jusqu'à 43. Ouais, micro. Jusqu'à 43. Personne. Hein? Que tu as tué? Donc c'est dangereux. Hein? On appelle ça crime contre l'humanité. C'est pas ça? Non, non. Je suis en train de voir ta sincérité. Maintenant tu dis la vérité. Tu m'as fait là. Tu as dit combien de personnes tu as tué? Hein? Tu veux me quitter ou bien? Et tu as besoin de faire tête. Tu es fâché, tu veux me quitter? Non, non, non. Tu veux me quitter, tu es fâché? Tu es 843. Tu veux me quitter ou bien? Non. Le micro, non, on parle tranquillement dans le micro. Oui, tu es fâché. Tu es fâché. Tu as mangé, hein? 843. Là, il t'est rassasié. Tu as gâté les enfants, c'est ça? Tu as mis d'autres enfants dans le ventre, c'est ça? Dans le ventre, là. Dans ton sale ventre où il y a mangé de viande, là. Ils sont combien? Ils sont là? Les gens qui l'ont tué, là, sont gâtés, là. Venez, on va prier pour vous. On a déjà prié. On parle de... Dis-moi le nom des gens que tu as mis dans ton ventre de sorcellerie. Désiré. Antonio. Non, non. Madame, madame, madame. Non, votre manière de regarder là. Si vous regardez comme ça, moi je ne vais plus intervenir. Venez. Vous voulez délivrer? Je vous pose la question. Je suis pas confus à vous répondre à ma question. C'est moi qui ai pris votre transport. Ok, vous n'avez pas dit ça. Donc si je vous pose la question, c'est une question de temps. Répondez gentiment et poliment à ma question. De toute façon, vous voyez la sorcellerie, c'est pas comme vous voyez la chose. Vous êtes déjà victime, vous avez mal regardé. Si nous on n'est pas au milieu, il va vous tuer. Voilà, vous ne le connaissez pas. Or, la vie dit qu'il n'est pas arrêté ça dans la chair. Si vous voulez rien dans la chair, le monsieur va vous tuer. Vous êtes déjà victime. Je vous ai fait appel pour régler une fois pour de bon l'affaire. Voilà, donc, verser, c'est-à-dire ta colère là, il faut. Voilà. Il faut désarmer ton cœur, il faut écouter. Nous ici, on ne se venge pas. On n'agit pas dans la chair. Le monsieur que ton père est un sorcier. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Tu tues l'homme? Tu tues l'homme? Comment tu fais pour tuer? Tu as fusil? Comment ça est? Tu es dozo ou bien tu es fusil? Il est au village là-bas. Tu fais comment? Tu fais comment? Comment faut me commenter comment tu fais? Hein? Comment tu fais? Tu fais comme ça. Mais ça résonne pour. Ça résonne. Ça résonne. Donc si quelqu'un en Chine, en France, tu peux le tuer. Hein? Ton fusil là, ça arrive à où? Ou bien ton mec, tu vas là-bas. Quand tu veux tuer quelqu'un, tu fais comment? Tu fais comment? Ta fusil. Oui, ta fusil, tu fais comment? Hein? Comme ça. Il est couché ou bien il marche? Il marche où? Toi tu fais pour toi dans la journée ou tu fais pour toi dans la nuit? Mais on ne marche pas la nuit. On ne marche pas dans la nuit. Combien tu fatigues?
Hein? Mmh. Tu es malade, non? Mmh. Tu as quoi? Hein? Sorcellerie. Mmh. Paru. Hein? Paru. Quoi? Paru. C'est pas l'idée de maladie. La grande maladie, tu as en toi là. Sorcellerie, c'est pas maladie. Sorcellerie, c'est pas maladie. C'est pour faire comme maladie. Maladie. Tu as eu combien d'enfants? Hein? J'avais 6 là. Non, combien tu as eu? Hein? Dieu t'a donné combien? 12. Tu as mangé combien? J'ai mangé. Hein? J'ai mangé 6. C'est 7 âmes là, tu es en train de manger. Mmh. Tu as mangé 7 âmes là. Mmh. Donc Dieu t'a donné 12 enfants. Mmh. Et toi tu les manges. Tu vois pas que c'est une maladie? Mmh. Hein? Et tu vois comme papa et toi tu les manges. Tu as envie de manger et tu les prends, tu les manges. Mmh. Tu trouves ça normal? On va vous appeler pour prier pour vous. D'accord? Vous allez vous mettre en genoux. Nous allons prier pour vous. Dites pas que là, les nouveaux. C'est pour ça que je vais prier. Qu'est-ce que tu as fait à la vie de tes enfants? Hein? Qu'est-ce que tu as fait à la vie de tes enfants? La secrétaire, où? Donnez-moi une bouteille. C'est pour prier pour vous, hein? Et puis, son équité ici, après ça, ne réglez pas ça à votre manière. C'est déjà devant Dieu, en train d'être réglé devant Dieu. Ou pas vous allez régler ça à votre manière. Si vous voulez vous venger, Dieu tant pis, Dieu vous laissera. Mais si vous laissez Dieu agir, vous allez voir que Dieu vous donnera toujours raison. Pour nous, il faudrait que Dieu vous soit totalement délivré. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Monsieur, monsieur, mm-hmm. Vous me regardez, je joue la comédie ou bien? Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as fait? Comme on est à mettre les trois personnes, l'autre que j'ai j'ai dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que tous les enfants sont tous les deux. Je ne peux pas aller sur les enfants qui sont comme ça là. Pour que nous deux. On me suit. Calme-toi, on ne peut pas, on te suit. Oui, je dis non. Ça, lui, tu as crédit. Non. Ils disent quoi, tu as crédit? Non. Mais pourquoi tu suis? Hein? Il dit que lui, il n'y a pas lui de. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi il suit? Pourquoi tu suis? Hein? Pourquoi il me suit? Oui. Il dit que lui, il n'y a pas lui de là. Est-ce que c'est leur enfant? Hein? Est-ce pour eux? Non, non. Mais quand t'as fait frapper, il te suit. Hein? Pourquoi il te suit? Il dit que je n'ai pas lui de là. Il te trouvait où il te suit? Dit. Hein? Pourquoi il ne m'a pas d'autre, c'est toi qui m'a pas d'autre? C'est moi qui ai dit que ça, il n'y a pas. Non, pourquoi c'est à toi qui demande l'enfant? Hein? Il dit que je n'ai pas lui de là comme ça. Pourquoi comme ça? Hein? Après le fait, je dis, je ne veux pas. C'est qui tu as caché? Mmh. Où? Juste dans mon âme. Monsieur. Vous jouez la comédie ou comment? Non, pas la comédie. Le vrai, c'est ça que je parle. Mmh. C'est que le vrai, c'est ça que je parle. Mais comme tu mens beaucoup, et moi je suis prophète, mmh. Je suis un menteur. Mmh. On ne peut pas mettre quelqu'un dans le ventre et puis cacher. Vente là, quand on met dedans là, c'est en prison. On emprisonne quelqu'un. Mmh. T'as compris? Mmh. Il est enfermé. Mmh. Il faut dire ce que tu as fait. J'ai pris pour lui, il est arrivé. Comme il est dans ma main là, pour aller casser ça, pour prendre ça.
quand j'ai mis ça du fond, ça va mal. Quand je vais... caca là. Non, derrière moi là, quand je pas là. Quand j'ai dit au chat là, d'accord, j'ai trouvé ils sont malades. Derrière moi là, quand je vous prends, mais là, pas là, si c'est comme ça là, je vais mettre ça dans le là, pour les gens. C'est comme ça. Monsieur, vous avez gâté quoi dans la vie de Lisa? Faut parler vite, on va prier pour lui. Tu as gâté quoi? Tu m'as dit que tu allais dire la vérité. Faut pas jouer à moi. Tu as gâté quoi dans sa vie? Il va à l'école. Tu as gâté l'école? Hein? Tu as besoin de tourner, tourner. Comment tu peux mettre quelqu'un en vente? Hein? Toi, tu tues l'homme jusqu'à 843, tu sais cacher l'homme. Toi, tu sais cacher. Tu sais cacher. Du temps tu as mangé 6, qui 7, tu as mangé 7. Pourquoi n'a pas caché les autres? Il y a un gâteau pour l'école. Son école? Comment tu as fait? S'il va à l'école, il travaille, il ne va pas donner l'argent. Il ne va pas te donner. Il n'aime pas te donner l'argent. Si lui allait à l'école, il a travaillé, bon travail, il ne va pas donner l'argent, papa. Mais quoi tu gâtes? Pourquoi tu gâtes son école? C'est ce qu'il te demandait, pourquoi? Je n'ai pas gâté ça à son école. Comme l'argent là. Monsieur, pardon. On entend les regrets pour les sorcelleries. Ou tu veux qu'on avance ou on n'avance pas? Tu veux qu'on avance ou on n'avance pas? J'en ai les regrets pour les sorcelleries. Donc qu'est-ce que tu as gâté? Tu as gâté pour ne pas qu'il va à l'école, c'est ça? Son intelligence, tu as tout gâté. Pour ne pas aller voir réussir dans la vie. Pourquoi? Ce que j'ai fait là, c'est pas bon. C'est maintenant que tu vois que c'est pas bon. J'ai réglé ça. Ok, il faut parler. On lui dit, ton intelligence, je ramène ça. Laisse sa tête. Il va pas là. Il n'est pas là. Allez à tes places. Maintenant, il est quoi? Mais c'est vrai. Effectivement, il est arrivé à Saint, c'est ça? Jusqu'à Saint. Il est arrivé quoi, Gabo? Saint. Saint, oui, allons-y. Mais là, tu as dit que. Qu'est-ce que tu as gâté? J'ai gâté son école. Comment tu as fait? Comme lui.